frauduleux à l'occasion des élections locales. Nous serons donc victimes de notre propre naïveté ou même de notre cupidité, pourquoi pas? Parce qu'on aura accepté 1000 francs ou 10 000 francs. Vous vous souvenez qu'il y a, je ne sais pas, 5 ans ou 6 ans, la Cour constitutionnelle, pour une fois, avait invalidé une élection d'un député. Parce que ce député avait préparé des sandwichs. À l'intérieur des sandwichs, il avait mis des billets d'argent de 5 000 francs, de 10 000 francs. Il avait distribué ça aux membres des bureaux de vote. Quelqu'un a introduit un recours à la Cour constitutionnelle. Quand même, cette Cour, quand même, a invalidé son élection. Et c'était un pédégiste. Je dois dire, c'est un pédégiste, puisqu'il est encore avec nous, vivant. C'est un pédégiste et un grand pédégiste. Vous voyez, nous devons donc éviter ces choses-là. Nous devons éviter ces choses-là. Et seulement que vous appréciez, qui est apprécié au-delà d'Oyem, au-delà d'Oyem, vous devez capitaliser son potentiel, ses capacités. Et je vous demande, le 22 novembre prochain, c'est le 22, l'élection c'est le 22, si je ne me trompe, ou le 23, peu importe. Je vous demande d'aller voter massivement et seulement. Mais je parle de la mairie centrale d'Oyem. De la mairie centrale d'Oyem, bien sûr, vous aurez commencé par voter dans le premier et le deuxième arrondissement d'Oyem les conseillers municipaux qui le soutiennent, les hommes et les femmes qui le soutiennent au premier arrondissement et au deuxième arrondissement, pour qu'ils obtiennent une majorité de conseillers, afin que ceux-là aillent le voter à la mairie centrale d'Oyem. Oyem pour tous. Oyem pour tous. Merci.